Que le Seigneur vous bénisse. Donc le thème de mon message, alors, comme on m'a demandé un thème, donc j'ai dit, frère, bon, j'ai noté poussière et la force. Poussière et la force. Qui aime la poussière? C'est désagréable. On ne supporte pas la poussière. Amen. Personne ne supporte la poussière. Mais bizarrement, on trimballe la poussière en nous. Mais on va prendre Timothée. La Bible commence par dire, sachez que, quand je dis à mon fils, sache que, je l'interpelle. Amen. Bethel, église, écoutez-moi. N'oublie pas. Quand je dis à quelqu'un, n'oublie pas. Je l'interpelle à ne pas oublier. Mais j'aime la suite. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Poussière. Si tu es égoïste, tu trimbales la poussière en toi. Quand tu as un peu, mais tu veux garder pour toi. Amen. Mais l'Éternel m'a interpellé il y a quelques jours, je crois que ça devait être le vendredi. Je ne comprenais pas, ça faisait deux jours, je n'avais pas un coup de fil de mon épouse. Et j'étais en colère contre elle. Alléluia. Et Dieu me fait comprendre. Mais tu dépends de qui? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Je me suis posé même la question. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Alléluia. Et l'Éternel m'interpelle et me dit, mais en fait, tu ne l'aimais pas, mais tu la possèdes. Tu la possèdes. Vous voyez comment je tremble à la poussière? Bien aimé, quand tu possèdes quelqu'un, c'est une chose qu'on possède. Vous êtes avec moi. J'étais tellement choqué, égoïste. On est sur le point pour l'instant. J'espère que j'aurai le temps. J'étais égoïste. Je possédais, mais je ne l'aimais pas parce que je dois aimer comment? Inconditionnellement. Qu'elle m'appelle ou pas, je dois l'aimer. Mais là, je possédais. Bien, mais quand tu es dans ça, quand tu... Vous savez, on a cette expression-là. On dit chez moi, Nabalaï Nambongo, c'est-à-dire, je l'ai marié avec mes sous. En Christ, vous êtes une seule. Donc, je n'en possède plus. Égoïste que j'étais, en colère. C'est-à-dire quoi? Quand tu es en colère parce que tu crois posséder ta femme, tu trimbales la poussière. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu es encombré par des difficultés de la vie. Alors que Dieu dit quoi? Il pourvoira à tous mes besoins. Quand tu trimbales en toi le doute. Quand tu es critique, quand tu es là à chercher à calomnier, quand tu sers quelqu'un dans ton cœur, pourtant tu viens à l'église, tu trimbales en toi quoi? Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? La poussière. Quand tu doutes de toi, le doute, tu trimbales en toi quoi? Pourquoi? Le doute nourrit qui? Nourrit le diable. Le doute ne nourrit pas Dieu. Le doute nourrit le diable. Quand tu doutes, ma soeur, mon frère, tu trimbales en toi la poussière. Bien aimé, vous savez, pour venir ici, je vais à la banque, je dépose un dossier, j'ai un projet. Moi, je me dis, si ça marche, c'est un truc impeccable. Je dépose le projet, bam. Je reçois, hypercute, bam. Échec. Je me dis, bon, c'est pas grave. J'arrive ici. Je vais à la banque ici. J'expose mon projet ici. Je me dis, ça, c'est mes frères noirs. Ça, c'est du baratin, ça. Je me dis, ça, c'est mes frères noirs. Quand je veux leur expliquer, j'arrive en plus. Je me dis, bon, peut-être qu'avec mon entreprise en France, ici, ça va marcher quand je vais leur demander telle somme pour un projet ici. Hypercute! Chez nous, on dit boulet! Ici, on dit quoi?
Mais le problème, c'est que j'ai une source. Alléluia. Et je viens ici à la GLS, on me dit il faut commencer, il faut aimer les petits projets. Et à la banque, on me donne déjà une solution. Vous savez, lorsque on ferme une porte, souvent il faut chercher toujours le trou. Mais bon, c'est pas grave, là n'était pas mon point. La poussière. Lorsqu'on trimballe la poussière, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que... Je parle à tout le monde. Il y a des gens qui veulent marier parce qu'ils ont envie de ça. Je peux vous comprendre. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Je veux me marier pourquoi? Et pourquoi je suis angoissé? Parce que je suis célibataire. Je suis là. Je ne suis pas bien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que même Dieu existe? Poussière! Bien-aimé, tous ces points-là, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La poussière. Bien-aimé, la poussière, c'est quand tu es angoissé, quand tu fonctionnes de l'angoisse par rapport aux Écritures, tu trimbales en toi l'énergie de la chair. Amen. On reçoit du diable par la chair. Tu regardes. Oh, j'aime bien la poussière. Parce que tout ce que tu regardes, si tu regardes avec un œil charnel, ça va alimenter la chair. Mais je vais faire, juste revenir dans Genèse 14. Genèse 3, 14. La Bible dit quoi? On va revenir sur ce verset. On va revenir sur la base. L'Éternel Dieu dit au serpent, regardez qui doit manger la poussière. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi, quand tu es angoissé, quand tu doutes, tu donnes de la nourriture à qui? Regardez, lui, il a été mandaté. Bien aimé, c'est pas moi, c'est les Écritures. Le diable a été mandaté pour manger de la poussière. Quand tu as don contre quelqu'un, quand tu ne supportes pas quelqu'un, bien aimé, tu es un pourvoyeur. On nous a dit hier, il fallait trouver les mots. Je ne sais pas si c'est un mot adapté. Tu es un pourvoyeur. Quand tu doutes, oh, je suis célibataire. Hein, et quand tu vois les autres, tu es poussière. Eh bien, la Bible dit ici, regardez, le mandateur, celui à qui on a donné mandat de te bouffer. C'est-à-dire te bouffer tes biens, ta force, ton énergie, ta source. Bien aimé, vous êtes avec moi. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Donc, il a été déclaré déjà maudit. Entre tous les bétails, entre les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras quoi? Tous les jours. Donc, tous les jours, quand tu te réveilles le matin, ah, Ngaïe, excusez-moi. Ah, maman Ngaïe, oh mon Dieu. Mais le mon Dieu, là, n'a que mon Dieu. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu te poses la question de qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Quels sont mes projets n'avancent pas. Tu doutes. Tu es en train de pourvoir, de donner. Tu alimentes. Tu alimentes. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu alimentes le diable. Tu alimentes. Et lui, il est malin. Il est rusé. Intelligent. Il a été mandaté quand tu doutes, quand tu es inquiet, quand tu as un projet, mais tu doutes de ça. Quand tu reçois des hypercutes, tu doutes, tu es abattu. Bien-aimé, quand tu vas sortir d'ici, lui il est malin. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai même pas le temps d'ouvrir mes notes. Allez, on va laisser, on va avancer. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est bien rusé. Il sait que toi tu dois l'alimenter. Et l'énergie qu'il doit te donner, c'est l'énergie de la chair. Bien-aimé, à chaque fois, examine les Écritures. Examine les Écritures face à une situation. Mais le problème, le diable a des prises. Vous voyez? Qui aime la poussière? Qui supporte la poussière? Personne. Mais lui, il a des prises. Si vous avez, si on a un aspirateur ici, il y en a
si on peut, bon, c'est pas grave. Si on peut, c'est toi. Si, bon, on laisse tomber. Quand on a l'aspirateur ici, les chrétiens, certains, je ne sais pas, peut-être que j'en fais partie sur certains domaines, sûrement. Eh ben, je suis un aspirateur. Oh, j'aurais bien aimé en voir. Bon, c'est pas grave. Je suis un aspirateur. Il y a une prise. Amen. Eh bien, le malin, je suis un aspirateur. C'est-à-dire, quand il y a des doutes, quand je doute, la Bible dit quoi de moi? Que tout ce qui mérite l'honneur, la gloire, Philippiens 4, 8, que tout ce qui mérite l'honneur, la gloire, doit être l'objet de mes pensées. Bien aimé, quand c'est, je dois me pencher sur la parole. Eh bien, le malin, c'est un rusé. Lui, t'as mal en lui, les prises. Amen. Comme tu es un aspirateur, il va te présenter ses prises. Et toi, tu vas venir te brancher dessus. Pauvre de moi. Et je chante, mais il n'y a pas la vie dans ce que je chante. Excusez-moi, je chante, mais il n'y a pas la vie dans ce que je chante. Je chante, je loue l'Éternel, mais il n'y a pas la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est la puissance de résurrection. Alléluia. La vie, c'est la croix. C'est-à-dire que la situation n'est pas ma croix, mais je regarde à la volonté de Dieu. Bien-aimé, le malin, le diable, il est rusé. Il a en lui les prises. Et il trimballe ça. Quand tu marches toi dans la rue, lui, il a les prises. Il t'attend. Il cherche juste à ce que tu te hausses dessus. Eh bien, souvent, je peux sortir de l'église. Ah, oh, bien-aimé, fais gaffe. Il te hait. Le diable te hait, il me hait. Le but, c'est qu'en sortant d'ici, il te présente une prise que tu vas te brancher dessus. De telle sorte que tu ne puisses jamais aspirer la poussière qui est tout autour de toi. Alléluia! Amen. Oh, ça vous plaît pas? Amen. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus. Et lui, son objectif, en sortant d'ici, étudiant, bien aimé, échec ou pas, cherche les prises de l'Éternel. Son objectif, c'est de te présenter les prises de telle sorte que tu ne puisses pas te brancher ailleurs. Si bien que vous voyez la sœur vient à l'église, traîne mal les poussières. Bien aimé, la poussière, c'est aussi une forme de malédiction. Parce que le monde des esprits existe. Amen. En tant que pasteur, j'ai vu ça. J'arrive à l'intercession, j'ouvre la salle, je rentre, on est deux. On commence à élever Dieu. Vous savez, chez nous en France, les gens n'aiment pas Dieu. C'est pas comme ici, hein, c'est blindé et tout le reste. Hein. Non, non, non. Là-bas, les gens s'intéressent plus à tout ce qui est business, paraître et le reste. C'est-à-dire que pour le coup, hein, ça, c'est vraiment adapté. Mais je pense que c'est la parole de Dieu adaptée partout. Amen. La sœur, elle rentre à peine à la porte. À peine à la porte, on était dans l'adoration. Ah! Cette histoire, ça marche. Quand en partant d'ici, j'allais au Temple des Nations, je voyais les frères, ils intercédaient. Intercesseur, ne te sous-estime pas. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire ça pour vous flatter. Le monde des esprits existe. La personne a retourné. On est parti chercher la personne, l'a ramené. Quand on a commencé à prier pour elle, moi je doutais de ça. Je n'étais pas persuadé que c'est possible que les objets, comment on appelle ça? Les asticots. Qu'est-ce que ça? Sort de la bouche. Elle a vomi. Et ça sort de la bouche. Asticot qui fonctionne, qui marche. Amen. Peuple de Dieu, fais ce que tu veux. Mais moi j'ai vu de moi-même. Et la personne, lorsqu'elle parlait, elle est née en France, une belle femme. Quand tu vois, tu dis oui. Mon frère, quand tu vois une belle femme, conseille. Non, mais ne rigole pas, je suis sérieux. Je ne rigole pas. Tu vas te faire rentrer, tu vas rentrer dans des relations, dans des liens bizarres. Pourquoi la Bible interdit ça? Elle est très malin, on est sans se rendre compte. Quand on prie, c'est la voix d'une mamie qui parle. C'est eux-mêmes. Ils disent quoi? C'est eux. Ils citent le nom de la famille qui était venue me chercher. Vous savez, c'est pour moi. Non seulement j'étais dépassé et je ne partirai pas. Pourquoi tu ne dois pas partir? Nous te déclarons interdit dans ce corps.
Non, mais des fois, il faut être déclaré interdit dans ta vie. Toute situation de poussière, tout plan de poussière contre ta vie, interdit. Amen. Je le déclare interdit. C'est en plus ma fille. On a commencé l'œuvre. C'est la première personne que j'ai baptisée. Je comprends pourquoi Dieu voulait. On était que le lendemain, on revient. Bon, on était avec maman Nelly, ma femme. On a intercédé. Bien aimé, l'asticot, ça fonctionne comme ça. Ça sort de la bouche. Vous ne pouvez pas savoir que quand vous voyez cette belle femme ou ce beau gars, toi tu dis voilà l'homme ou voici l'homme. Alléluia. Mais tu ne sais pas. Bien aimé, le monde des esprits existe. Amen. Il faut le faire passer au scanner. Excusez-moi, je risque de sortir de mon projet. On va revenir au fait. La Bible dit, ça c'est une arme. Lorsque je branche le verset de Philippiens, lorsque je branche l'aspirateur, quelqu'un qui est branché, et vous trouvez les prises partout. Le diable a installé les prises partout. Là, tu vas rentrer, il a installé ça dans ta chambre. Ou bien tu t'es installé, il te l'a donné, tu l'as installé. C'est-à-dire que c'est un hôtel. C'est un hôtel où tu vas toi-même naturellement. Mais spirituel, je parle aux hommes, je parle à votre homme spirituel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle à ton homme spirituel. Nous avons installé des prises inconsciemment. Quand je rentre là, je vois ma femme. Ça, c'est de l'expérience. Le « et » là, ça, c'est de l'expérience. J'aime les « e » comme ça. Alléluia. Bien-aimé, on installe des prises inconsciemment. Je parle à ton homme spirituel. Tu peux sortir d'ici, tu vas oublier tout ce qu'on a parlé de la poussière et tu vas aller te brancher dessus alors que tu es un aspirateur pour Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. L'énergie de l'Esprit est en toi et en moi. Mais le problème, c'est que, surtout nous autres là dans les couples, on a installé les prises de mon moi. Moi, je suis le pasteur de cette maison. Je vais pas dire de l'église, de cette maison. C'est moi l'homme. Et bien l'autre dit, eh bien si c'est moi la femme de cette maison, on verra. Donc elle est dans ça. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a déjà une prise qui est là. Et on est en train d'entretenir la poussière dans la maison. Qui aime la poussière ici qui lève la main, on va prier pour lui. Amen. Poussière. Et on accepte ça. Et on fonctionne avec. Et il y a certaines personnes qui se plaignent même à jouir de la poussière. Si vous voyez quelqu'un qui est encombré par des difficultés, encombré par des tas de gravats partout, et cette personne-là se sent quand même là, bien aimé, comprends que c'est lui le maudit. Pourquoi? Parce que c'est un pourvoyeur pour le diable. Il nourrit inconsciemment. Bien aimé, refuse ça. Je ne nourrirai pas le diable par les inquiétudes, par les soucis, par la tristesse. Ne sous-estimez pas le malin. Mais encore, je ne vais pas l'élever. Mais surtout, m'ont donné les points pour nous aider. On va reprendre le Timothée. Bien aimé, pour combattre la poussière, tout va dépendre de ce que tu déposes à l'autel. Amen. Tout va dépendre de quelle prise tu te branches. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour combattre la poussière. La Bible dit dans Timothée, Timothée 2, on peut lire le 5 s'il vous plaît. C'est là notre point central. J'essaye d'enseigner comme dans les Juifs. Les Juifs, le point central, lorsqu'ils parlent de quelque chose, c'est circulaire, c'est-à-dire au centre. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Chrétien, enfant de Dieu. Forme extérieure. Je suis un aspirateur, mais je ne suis pas branché à la bonne prise. Amen. Je sers à quoi? À rien. Comme disent mes enfants à ma dernière, toi tu sers à rien à la maison. Bien aimé, tout va dépendre de ce que tu déposes à l'autel.
Le malin te présente son autel. Et Dieu est à l'autel de Dieu. Abraham a déposé quoi? Genèse 12, 7 à 8. Bien-aimé, tout va dépendre de ce que tu déposes à l'autel. L'offrande là que nous déposons ici, ne sous-estimez pas la qualité. Bien-aimé, quand tu déposes ton offrande et que le pasteur prend l'offrande, il élève ça à Dieu. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Amen. Quand toi, tu vas chez le marabout, tu lui donnes ton offrande. Lui, il prend, il présente ça à quelqu'un. Et le sorcier, lui, lorsqu'il va donner une offrande, il ne donne pas n'importe quoi. Tout va dépendre de la qualité de l'offrande. Est-ce que moi, je suis dans l'adoration? Je suis connecté, je suis localisé, identifié par Dieu, quel que soit le... Parce que lui, le diable, il trimballe une prise. Il a ça comme ça. Il cherche juste, il te dit, regarde, et il te présente la prise. Toi, tu regardes, tu dis, oh, cette voiture, oh, mais elle a le même âge que moi, mais on a fait les mêmes études, mais regarde, mais poussière. Et la Bible dit ici, on reprend Timothée, désolé, Timothée verset 5, la Bible dit, ils auront l'apparence de la piste, mais qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait la force de toi et moi? Qu'est-ce qu'il a fait la force de ce bois? On dirait que ce n'est pas le même bois que l'autre côté. Hein. Ce qui fait la force de ce bois. Amen. Bien-aimé, il y a du bois. Ça, ce n'est pas le bois qui vient de chez moi au Congo, non. Bien-aimé, le bois qui vient de chez moi au Congo, c'est un bois qui coûte cher. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la force? Le bois, ce qui fait la force d'une personne, de toi et moi. C'est notre source. C'est pour ça le titre de message, j'ai mis poussière ou la force d'une source. Bien-aimé, en toi, ta source, c'est une puissance. Bien-aimé, la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. La force d'une personne dépend de ses absolus. Quels sont les absolus de Dieu? Il est quoi? Il est amour. Moi aussi, je suis amour. Il est bon. Toi aussi, tu es bon. Il est gentil. Toi aussi. Mais il y a les absolus. Absolu. Il n'y a que Dieu qui a absolument ça. Il est quoi? Il est souverain, il est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout. Il est partout en même temps. Le même Dieu qui est ici, il est à Zingachor. Alléluia. Hé, hey, vous voulez que je parle comme un Wolof? Bien-aimé, non. Bien-aimé. La force de Donald Trump repose sur quoi? Il est le président d'un pays le plus puissant au... Mais quand il y a les tempêtes et les vents, est-ce qu'il a la capacité de arrêter ça? Mais la force de toi, c'est qu'il y a un esprit qu'on a mis en toi. C'est l'esprit de celui-là qui a la capacité d'arrêter quoi? Bien aimé, quand le vent attaque les États-Unis, où il est Donald Trump? Il est où? Et c'est là que je dis, non, mon Dieu est vivant. Amen. Alléluia! Bien aimé, c'est le pays le plus puissant au monde. Quand il y a la tempête, quand il y a l'ouragan qui arrive, il n'a pas la capacité de déployer des choses pour stopper ça. Et c'est ton Dieu. Bien aimé, tu dois connaître ta source. Arrête, secoue la poussière. On aurait pu donner ça comme terre, comme point de message. Secouer, allez, changer. Mettez secouer la poussière. Bien aimé, tu dois secouer. Et la main secoue. Au nom de Jésus. Je rentre chez moi, je secoue. Je dois secouer la poussière. Alléluia. Maman Nangaï. Ma maman. Ça veut dire que vous, mais je suis à terre, quoi. Non, bien aimé, non. Ne sous-estime pas. Toi, tu as un Dieu omniprésent. Dans son omniprésence, il est partout. C'est-à-dire que quand tu doutes, il est là, il sait. Maintenant, il regarde.
Est-ce qu'il va regarder à la toute-puissance de Dieu? Est-ce qu'il va regarder à la prise de la parole de Dieu? Est-ce qu'il va regarder à la prise de la louange? Est-ce qu'il va regarder à la prise de l'adoration? Est-ce qu'il va aller à l'autel de la louange? Est-ce que dans sa maison, il y a l'autel de la louange? Ou je vais regarder à l'autel de l'angoisse? Ou je vais me pencher à l'autel de l'angoisse? Ou je vais me pencher à l'autel... Je me suis accablé. Oh, ils sont plus forts que moi. Tu as un Dieu omniprésent. Amen. Dans son omniprésence, il est partout. Et la Bible dit de lui, il tient le monde dans sa main. Personne ne délivre de sa main. Personne ne délivre de sa main. Il est quoi encore? Il est omnipotent. On va commencer par ça. Donc c'est un Dieu tout puissant. C'est-à-dire quoi? Dans sa toute puissance, personne ne peut s'opposer à lui. Merci maman. Moi j'aime le monde. Personne ne peut s'opposer à lui. Dans son omniprésence, personne. Dans son omnipotence, mon Dieu là que je sers, que toi et moi nous servons, il te présente des prises de sa puissance. Il dit branche-toi, sois patient. Dans son omnipotence, dans sa toute puissance, dans sa toute puissance, personne ne peut s'opposer à lui. S'il y a des sorciers ici, ils savent. Bon, il n'y en a pas ici, au nom de... Il n'y en a pas ici. Mais si tu es là, dis-toi qu'un jour, la toute puissance de Dieu va te chicoter, comme on dit chez nous. Et il n'y en a pas ici, au nom de Jésus. Je ne veux pas des problèmes avec pasteur Félix. Alléluia. Bien-aimé, tu es puissant. Et le problème, c'est quoi? On ne prie pas avec les absolus de Dieu. Bien-aimé, quand tu pries, je prie que tu sois connecté avec moi. Quand tu pries, amen, trimballe ces absolus. Dieu, on sait, il sait, il est bon. Il y a des absolus, il y a des absolus relatifs. C'est-à-dire, toi, tu as ça, moi, j'ai ça. Dieu, il est bon. Dieu, il est amour. Dieu, il est magique. Oui, ok, on est d'accord. Mais moi, je parle de les absolus que toi, tu n'as pas, que personne n'a. Il n'y a que lui. Un point, c'est tout. Que personne ne me dise autre chose. Alléluia. Trimballe ça. Dans sa toute puissance, non, dans son omniscience. Alléluia. Mais tout ça, c'est sa force. Dans son omniscience, dans son omniscience, dans son omniscience, il ne peut pas être prisonnier de l'ignorance. Ah, si tu es avec moi, acclame pour l'Éternel. Il ne peut pas être prisonnier de l'ignorance. Alléluia. Bien-aimé. Donc la poussière là, Dieu il sait. Mais le problème dépend maintenant de quelle prise. Toi je me branche. Il ne peut pas être prisonnier de l'ignorance. Dieu il sait que les portes actuellement sont fermées. Pour toi, pour moi. J'étais persuadé qu'en venant à Dakar. Amen. Mais non, c'est pas facile. Mais je reviendrai. Vous allez me voir ici. Amen. Bien-aimé, tu as un Dieu puissant. Je viens de citer les choses, des points. Il est souverain. Dieu, en lui, la parole de Dieu, c'est la vérité. Lorsque vous lisez les évangiles, Jésus disait souvent, je tremble quand je tombe sur ça. En vérité, bien-aimé, Dieu, l'homme peut être vérité. Mais lui, il est la vérité ultime. Amen. Amen. Il dit, reconnaissez, bien-aimé, reconnaissez l'homme comme quoi? Reconnaissez l'homme. Reconnaissez l'homme comme? Vous lisez pas la Bible. C'est écrit dans Romains. Reconnaissez l'homme comme? Menteur. Menteur. Je peux être là, je vous enseigne. Dieu dit, reconnaissez l'homme comme menteur. Mais Dieu comme quoi? Dieu comme vrai. Vérité. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle vérité. C'est vérité absolue.
C'est une vérité ultime qu'on ne trouve pas ailleurs. Bien-aimé, quand tu lis la parole de Dieu, branche-toi, même si ça ne marche pas. Branche-toi. Bien-aimé, je parle parce que il y a certaines choses que j'ai expérimentées. Bien-aimé, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nous, il dit, les hommes vont aimer. Nous rentrons plus en relation d'âme. Je rentre en relation d'âme avec mon problème. Amen. Oh, j'ai connu les échecs. Je rentre, j'arrive à la maison, je suis en colère. Nous rentrons plus en relation d'âme avec une position, une situation, une difficulté. Je suis en relation. Vous voyez ce que c'est qu'en relation d'âme, hein? Je suis en amitié avec. Vous savez, quand quelqu'un est amoureux. Amen. Vous savez, l'homme vit dans le monde des bisounours, hein? Je suis amoureux. Oh, je l'aime. Vous savez, les jeunes filles là, n'allumez pas une flamme. Bien, mon frère, si tu es ici, n'allume pas une flamme si tu ne travailles pas, si tu n'es pas capable d'assumer. Tu n'as pas de maison, mais tu vas allumer une flamme. Et quand tu vas prendre l'enfant d'autrui, oh, Seigneur, tu m'as donné 4 filles. Fumunzambi. Oh Dieu de gloire. Viens à mon secours. Bien, mais je prie pour mes gendres, papa. Je prie. Pourquoi? Parce que quand tu allumes une flamme, frère, il faut que tu sois puissant. Travaille. Bien, on va te respecter. Mais n'allume pas une flamme pour après que le pasteur vienne éteindre. Ou bien ma soeur, ne va pas dans un mariage où tu vas être intercesseuse. Seigneur de gloire, est-ce que tu peux changer cet homme? Tu es devenue intercesseuse. Hey, Seigneur, est-ce que tu peux... Non, mais n'y va pas, s'il te plaît. Toi, tu le vois beau gars, élégant, habillé comme un Congolais. Jaune, orange, vert. Non, moi, je suis habillé comme un Français. Non, bien-aimé, n'y va pas. Tu as tellement de la valeur. Mais le problème, c'est que, on a vu, il va nous présenter les prises. Il y a un autre point avant de finir. Bien-aimé, notre Dieu est éternel. C'est-à-dire, on ne peut le limiter dans le temps et dans l'espace. Il est partout, mon frère. Il te voit, il sait ce que tu as besoin. J'ai bien insisté, on ne peut pas. On va voir un autre point. 1 Roi 19, verset 2. Je vais m'arrêter là. Si vous allez voir que on a parlé, c'est la force d'une source. Tu peux avoir des projets. Mais à un moment donné, tu as besoin de cette force-là. Excusez-moi, tu peux mettre le 3. Excusez-moi, c'était le point 3, verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Sauvait sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. C'est un roi. Ah oui, c'est bien ça. Non, c'est pas le... Mettez deux rois. Si par Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Amen. La force. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils oublient ce qui fait ça. Bien-aimé, beaucoup de nos situations, beaucoup de poussières qui traînent en nous, parce qu'on n'est pas conscient de la puissance qui est derrière une prise. Amen. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils oublient la force. Bien-aimé, il y a énormément de projets. Parce que Dieu, quand il te voit, tu es un projet pour Dieu. Tu es une vision pour Dieu. Non, tu doutes. Tu fais comme Sarah. Ah, moi, là, je vais vraiment accoucher. La Bible dit Sarah a souri, l'expérience. Elle avait tellement vécu.
Tu es un projet pour Dieu. Tu dois secouer la poussière. Bien-aimé, ici, on parle d'une force qui va permettre l'enfantement. Une force qui va me permettre d'accoucher mes projets. Mais je dois toujours garder dans la tête. J'ai un projet, mais j'ai un Dieu omnipotent. Mais j'ai un Dieu puissant. Ça, c'est une des difficultés que nous rencontrons, nous autres enfants de Dieu. À côté de ça, moi, je sais que je n'arrive pas. Je trimballe au moins un projet. Je trimballe au moins un projet. Mais le problème, j'oublie ce qui fait la force. Ce qui fait ma force, ce qui fait ta force. On a tendance à oublier ça. On est dans l'orgueil. À ce propos, Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce. Il donne, dans Jacques 4, 6, il donne une grâce excellente. Non, plus excellente aux humbles. Donc, il y a des grâces qu'on peut donner à tout le monde. Amen. C'est-à-dire que tu as hérité d'une grâce, tu vis, tu participes à la vie, mais tu n'enfantes pas. Alléluia. C'est-à-dire que tu vois les autres enfanter, mais toi, tu n'enfantes pas. Tu vois les autres toucher leurs projets, mais toi, tu ne touches pas tes projets. Il donne une grâce plus excellente. Sois humble. Va vers Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Parce que en sortant de là, en sortant d'ici, il a ses prises. Ne nourris plus le diable. Identifie la poussière. Ne sois pas en relation d'âme avec un individu. Je peux être en relation d'âme avec quelqu'un qui m'a blessé, qui m'a fait mal. Vous savez comment tu vas détecter ça? Oh, je n'appelle plus parce qu'il ne m'appelle pas. Tu es en relation d'âme avec la personne. Je peux être en relation d'âme avec l'échec. Depuis que j'ai échoué, je suis malheureux. Je suis en relation d'âme. Eh bien, c'est la poussière. Puisque mes parents n'aimaient pas cette famille, moi aussi je ne les aime pas. Tu viens rentrer dans une alliance qui ne t'a tu n'étais même pas destiné à toi. Relation d'âme, poussière, tu nourris qui? Bien-aimés, je prie qu'en sortant d'ici, dans ton foyer, tu ne vas pas nourrir le diable. Ne lui donne même pas l'opportunité. Tu vas l'affamer. Alléluia. Tu vas l'affamer. Dans les soucis, ton esprit, bien-aimé, tu n'as pas été créé pour que tu puisses, vous savez, tu n'as pas été créé pour que tu sois angoissé, accablé, constipé. Non. Tu as été créé pour manifester le Christ. Bien-aimé, ta vie, ma vie doit refléter Christ. Bien-aimé, tu as été créé pour la gloire de Jésus-Christ. En dehors de la richesse, tout le tralala, tout ce qu'on veut. Mais on n'a pas été créé pour rentrer en relation avec des gens dans la calomnie. Les Français, ils disent, je disais ça tout à l'heure, les Français, ils disent que la calomnie, c'est casser du sucre derrière le dos de quelqu'un. Ils sont bizarres. Vous voyez l'expression comme ça. Donc mon dos, là, il prend du sucre, il casse dessus. Les femmes, les hommes. On aime quand. Donc, vous voyez, on rentre dans la relation d'âme avec la. Il y a des gens qui aiment la calomnie. C'est un régal pour. Mais c'est vrai, en plus, la calomnie. La Bible, on parle dans Proverbes, c'est sucré. Lorsqu'on critique quelqu'un, c'est agréable. C'est pas vrai. Allez, entre nous, allez. Bien, mais c'est agréable de critiquer quelqu'un. C'est agréable de casser du sucre sur quelqu'un. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Eh bien, le problème, c'est quoi? On ne se rend pas compte, on est emprisonné, on est dans une prison, mais invisible. Je peux ne pas comprendre. Bien, mais vous savez, surtout dans le foyer, il y a un point. Je prie pour les jeunes mariés ou même pour ceux qui sont mariés. Il y a un point qu'on a tendance à oublier. Je dois renoncer deux fois à mes droits pour ne pas alimenter le diable. Ça aurait pu être un thème. Un jour, peut-être, on parlera de ça, le renoncement à ses droits. Pour crucifier Adam.
Alléluia. Bien-aimé, Adam, bien-aimé, quand Dieu dit tu es poussière, il s'était à Adam qu'il allait manger la poussière. Tu n'es pas Adam. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on veut pactiser avec. Non, en toi, ce n'est pas c'est Adam, non, c'est le Christ qui habite. Mais le problème, on se retrouve de voir avoir la même identité que les enfants d'Adam. Tu n'es pas dans le monde. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque le pasteur dit vous êtes extraordinaire, bien-aimé, c'est exactement ça, mais selon les Écritures. Ce n'est pas parce que tu critiques les gens. Non, c'est par rapport à les Écritures, tu es extraordinaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ?